Bonjour Pépé, alors présente-toi en deux, trois mots. Bonjour, ben, je suis Pépé Pistolas et je suis sculpteur sur métal. D'où tu viens ? Je viens d'Équateur, Quito plus précisément. Ok, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ça ? J'avais fait une école d'effets spéciaux en Argentine, j'ai kiffé la sculpture et la ferraille, ça m'a toujours intrigué. Et dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir toucher ce matériel au vivre de l'art, c'était évident. Et depuis combien de temps tu fais tout ça ? Cette expo, elle représente 3 ans de travail. Du coup, là, il y a 3 ans de mail, il n'y a pas tout, mais... Alors, mais qu'est-ce que tu fais, en fait, exactement ? Je découpe, j'assemble, je soude, je tords. Je ne me sers pas beaucoup d'outils, en fait. J'ai juste une meuleuse et un poste à souder, et voilà. On peut trouver tes œuvres où, exactement ? J'ai un site internet. Là, il y a des belles photos. Et sinon, souvent, je fais des petites expos et à l'occasion, vous pouvez passer. Avec plaisir. Et quels sont tes projets pour le futur ? Le projet, c'est faire tout ça en Équateur et pouvoir partager ça avec des gens comme moi j'ai été peut-être un jour. Et voilà, je crois que c'est un long projet. Ok, merci pour cette interview, Pépé. De rien, merci à vous d'être venu et j'espère que ça, vous allez kiffer. Bonjour les Bluesomatiques, présentez-vous en deux, trois mots. Donc, nous, on est une compagnie de spectacle, de rue principalement, qui s'appelle le Piston Errant. Et on a un spectacle qu'on présente ce soir, qui s'appelle Bluesomatique Expérience, qui est un spectacle de rue mécanique et musicale, on va dire, qui peut se jouer aussi dans des grands espaces, mais plutôt dans la rue. Quel est votre style et quelles sont vos influences ? Alors ça dépend si on parle niveau théâtral, spectacle de rue, au niveau musical. Moi j'ai plutôt parlé de la partie théâtrale et spectacle dans la rue. Énormément de spectacles de rue que j'ai pu voir, notamment de la compagnie Royale de Luxe et de ce genre de spectacle de rue qui se faisait pas mal à une époque où on était un peu punk, on envoyait dans les explosions, dans la ferraille, dans le spectacle, dans la rue en vrai quoi, et à une époque où ça a vraiment émergé et maintenant il y en a énormément quoi maintenant, il y en avait peu à cette époque-là. Depuis combien de temps vous existez ? Alors la compagnie existe depuis vous ? 2008-2009 ? Par là, ouais, 9, 2009. Ouais. Et nous, après, avant, on avait un spectacle qui existe depuis, qui a existé 2-3 ans, entre 2008 et 2010, et qui s'appelait Homo Melodicus. Et maintenant, on a ce nouveau spectacle qui existe depuis un an. Et donc, avec ce nouveau spectacle, est-ce que vous êtes en tournée ? Et si oui, quelles sont vos prochaines dates ? On est en tournée en permanence quand les gens veulent bien nous acheter des spectacles. Ça, c'est... Les prochaines dates de Survaldé, c'est la guinguette chez Alric là, le 5 juillet. Au festival d'Aurillac, on joue dans le off. Après, on a aussi le 11 juin à Saint-Denis-de-Pile, au festival Musique à Pile. On a 2-3 trucs comme ça. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette interview et puis bon concert.